Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour un nouvel épisode sur notre let's play dans Pokémon version Ambre. Et du coup, récapitulatif de la dernière fois, nous étions arrivés jusqu'à Springfield où se trouve la troisième arène du jeu. On a découvert un laboratoire scientifique assez spécial puisque au sous-sol, on a découvert qu'ils avaient capturé Zekrom, le Pokémon légendaire de la 5G. Pour faire des expériences dessus, alors je sais pas trop à quoi ça sert, hein, parce que c'est un Pokémon très dangereux. En plus, le gars hein, qui était dans le laboratoire l'a dit lui-même. Mais bon, et en plus il donne des Pokémon vivants à manger à Zekrom, donc tout va bien dans le meilleur des mondes. Et après, du coup, on a rencontré Will, qui était le champion d'arène, du coup, qui est allé à l'arène pour qu'on puisse l'affronter. Et dans l'arène, on a découvert quelque chose d'assez sympa, c'est que le jeu d'arène qui est proposé d'habitude est assez simpliste, on va dire. Et là, c'était des énigmes très intéressantes et très bien foutues d'ailleurs. Donc c'était très très intéressant de faire un jeu d'arène, on va dire, avant d'affronter le champion comme ça. Donc pour le coup, c'est assez sympathique. Maintenant au niveau du champion, on a essayé de l'affronter la première fois. On s'est fait largement détruire. Hein. Pourquoi on s'est fait détruire? Parce que notre équipe était trop bas niveau, pas assez entraînée face à l'arène. Bon, on va dire qu'on avait jaugé un petit peu le niveau, mais je ne m'attendais pas à ce que ce soit comme ça. Mais c'est pas ingérable. J'ai beaucoup entraîné les Pokémon. J'ai fait de mon mieux. J'ai changé la team également. On n'a plus Machoke, on a Lucario. Alors pourquoi on a Lucario? Parce que j'ai pu capturer dans la zone d'à côté un Riolu que j'ai pu monter et passer en Lucario. J'ai récupéré le Rakaiou qu'on avait capturé il n'y a pas longtemps, qui a évolué en Gravalanche. J'ai également capturer un Malos pour remplacer Fenard parce que je trouvais que Démolos était mieux et du coup Malos a évolué en Démolos. Alors c'est vrai que la team est encore de niveau à peu près, on va dire que ça se rapproche du champion, et globalement j'ai pris des Pokémon qui puissent concurrencer l'arène de type poison, parce que le type poison là où c'est le plus chiant en fait, c'est empoisonner le Pokémon. Lucario est immunisé au type poison. Je lui ai appris également Tunnel, c'est une attaque super efficace sur les types poison. Il n'y a que le Smogogo. Alors le Smogogo au départ, pour le gérer, on va essayer de passer le Gravalanche. Le Gravalanche a une double résistance au type poison, il faut le rappeler. Et si les Pokémon n'ont pas vraiment de coverage pour toucher Gravalanche, ça peut être pas mal. Le Nosferalto, pareil, on a Gravalanche de type roche résistant au type vol et donc la double résistance poison. Et super efficace sur Nosferalto, donc je pense qu'on devrait plus gérer ici. En tout cas, on va s'en rendre compte d'ici quelques instants. Donc je vous propose de démarrer le combat. Et cette fois-ci, on espère remporter la victoire. Alors on va tout d'abord faire anti-air. Et là, normalement, on peut taper. Alors mince. Ah, ça n'a pas marché. Donc il va falloir réfléchir. Je pensais que ça n'a pas annulé l'évitation entière. Voilà, on a battu le Smogogo. Alors pour Arbok, je propose qu'on switch sur Lucario. Ouais. Très bonne idée. Il peut pas, à moins qu'il ait éventuellement un Croufeu, ça peut pas. Non, il a intimidation. Ok, bon, la para. Il a que d'Arvenin. Vraiment. On tue. Donc ça c'est très bien. Alors, bon, Nosferalto du coup, je pense qu'on va mettre Boostiflore en attendant, et ensuite on va essayer de soigner. Alors on a des rappels, bah, c'est bien ce qui me semblait. On va soigner Gravalanche et derrière on va pouvoir mettre. Un petit coup de potion, voilà. On va essayer de l'endormir. Voilà, on a réussi. Et du coup on peut placer plus facilement. J'espère qu'il va pas se réveiller. J'espère qu'il n'a pas Volvie surtout. Bon, ça devrait pas être très dérangeant. Non, ça va. On a gagné, on a gagné.
Ah, il m'a flinch, mais c'est bon. On a gagné, du coup, contre le champion d'arène cette fois-ci. Et on remporte le badge pollution, évidemment. Le Poké Expert Funessir. D'accord. C'était 06 toxique. Alors, on va remettre. Ok, on enchaîne du coup. Alors on avait, alors il y avait, j'étais tombé sur le rival ici. Oui, voilà. Zachary. Les Pokémon de Will devaient être fatigués après leur combat contre moi. Aussi prétentieuse, garçon. Alors, Rayena, je pense qu'on va partir sur Lucario. Crogivre, tiens. Voilà. Ensuite, Kirlia. Alors, qu'est-ce qu'on met pour gérer? Est-ce qu'on met Graval? Non, c'est ça, la magique, c'est de la. On peut pas mettre Boostiflore. On va essayer de mettre Nostalgie. Bon, ça devrait gérer. On va mettre une limitée. Pourquoi ça change? Il y a un... je sélectionne une attaque, ça en met une autre. C'est pareil. Un caillou, si on n'arrive pas à gérer avec ça. C'est pas grave, j'ai Boostiflore. On tue. Et Air Bizarre. Et on a Piu Piu pour gérer Air Bizarre. Bon, il n'y avait pas une team très forte. Donc, alors qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? L'objectif, hein, d'aller à Fairview. Ah, c'est quoi Fairview? C'est une ville? Est-ce qu'on remet Marc Acrin? J'avoue, on va on remettra, je pense, Marc Acrin par la suite. On remettra pour l'évoluer en cochinon, puis après en mamochon. Ah. Non, pas lui. Nostalgie.
Corallion. Bien sûr, de one shot. Tuer tout du moins. Le coup croix. On va mettre Boostiflore. Ma choc. Est-ce qu'on peut mettre Piu Piu? En vrai, on l'a intimidé, donc je pense qu'il devrait aller. C'est pas mal, hein. Ouais, c'est bizarre, l'intimidation s'est déclenchée avant que le Pokémon arrive sur le terrain, alors que normalement c'est l'inverse. Super potion. Attention, si le pêcheur il me combat qu'il a un type haut, on va mettre ça. Ma team est en train de mourir. Hein. Ce truc. Petit plaquage. Je sais pas si je peux dépasser Coquillas. Ah, il est niveau 26. Il a fait abri, je sais pas pourquoi. Je vais le dépasser avec le nom. Ouf. Oh bah. Tranqui. Alors, donc du coup, est-ce que je... Ouais, je pense que je vais remettre... On le reprendra si c'est nécessaire. Thank you.
Cancer de ouf les abras là. Ah bah il s'est boosté sa propre skill. Ah taras. On s'en est débarrassé. Plein de dresseurs là. Pas de gamin. Compliqué. Allez, remettre des molosses. Ok, c'est good. C'est quoi ça? Oh! Oh! Oh, je tombe sur vous! Chart stabé, ça c'est parfait. On n'avait rien pu faire. Bah oui, comme pas. C'est vrai que ça se remarque pas hein, qu'ils utilisent que des voltants. Hein. Oh, c'est pas un autre loss. Aïe. Ah, il y a une arène à Fairview Badge, le badge voyance. Ah, ce sera une arène de type C, ça. Et là, c'était ça, d'accord.
de soigner. Alors, on va peut-être arriver à la ville, je pense aussi. Et oui, on est arrivé à Fairview, et donc apparemment c'est là que se trouve la quatrième arène du jeu, et qui est, je pense, une arène de type C, hein, parce que badge voyance, hein, ça sonne type C, ce qui fait qu'il va peut-être falloir, et je pense principalement, entraîner des molosses, puisqu'il a une immunité, qu'il n'a pas d'attaque de type ténèbre, donc il doit peut-être apprendre une morsure ou quelque chose comme ça. Donc en tout cas, on va s'arrêter là pour cette vidéo puisqu'on est dans la ville. Merci, merci beaucoup de m'avoir suivi. Et on se retrouve donc très prochainement pour la suite de ce Let's Play. Merci.